J'ai fait. Faut que je vous dise un truc. J'ai commencé cette vidéo, j'ai fait la même boulette. J'ai oublié d'activer mon micro. C'est la deuxième fois que j'enregistre. Vous savez quoi? Je la laisse. Je laisse ça. Je laisse ça. Ça. Je vais pas couper. Comme ça, vous verrez que je fais des boulettes en direct. Je vous propose une petite vidéo un petit peu particulière. Elle n'était pas particulièrement prévue, mais il y a un contexte que je voulais voir, que je voulais vous partager parce que je trouvais ça suffisamment important pour vous le partager. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques temps, en plus de faire des vidéos de Whiteout sur, sur YouTube, j'ai aussi la chance d'être devenu un DC mod sur le Discord officiel. Donc pour vous simplifier la chose, ça s'appelle un modérateur officiel, hein, et en outre quelqu'un qui aide, puisque j'apprends, hein, j'apprends beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses sur le jeu maintenant, et du coup il y a 2-3 choses que je voulais partager avec notamment les jeunes joueurs, puisque vous êtes nombreux à commencer à jouer peut-être, nombreux à pas forcément tout connaître, et nombreux à ne pas lire, et ça c'est moi-même le premier, à ne pas lire les conditions d'utilisation générale du jeu, qui sont pour moi un truc important. Il y a 2-3 petits éléments que je voulais partager avec vous. Et ensuite, je vous montrerai une petite astuce pour lutter contre le harcèlement des joueurs. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous utilisez Whiteout Survival, il faut bien savoir que le jeu est relié, en fait, d'une façon ou d'une autre, à un compte qui vous appartient. C'est-à-dire à un compte Facebook, à un compte Google, à un compte Apple. De façon générale, il est relié à un compte. Ce qui fait que... concrètement parlant, c'est difficile de donner ce compte à quelqu'un, puisque cela implique de donner votre compte, tout simplement, votre compte Facebook, votre compte Google, c'est-à-dire à des informations sensibles à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que dans Whiteout, il y a plusieurs règles, et notamment celles qui concernent les échanges de comptes. Alors, quand vous vivez sous le même toit, utilisez le compte de votre compagne, de votre enfant, de votre frère. Ça, c'est pas dérangeant, puisque vous vivez sous le même toit, c'est tout à fait passable, c'est pas le plus dérangeant, voilà. Mais en revanche, quand vous êtes à des distances plutôt importantes, par exemple quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en France, vous ne pouvez pas récupérer le compte de quelqu'un sous prétexte qu'il joue plus. Vous pouvez pas lui dire, bah, donne-moi tes accès, je le prends et puis je le garde pour moi. Parce que ça s'appelle un échange de compte, et d'après les conditions d'utilisation, c'est interdit. Vous ne pouvez pas récupérer le compte de quelqu'un, c'est-à-dire que si cette personne ne veut plus jouer, elle doit... soit laisser son compte à l'abandon, qu'elle peut faire concrètement, soit tout simplement elle supprime le personnage. Mais malheureusement, vous n'avez pas le droit de récupérer le compte d'un autre joueur. Ça s'appelle un échange de compte et c'est interdit. Les sanctions. Alors, techniquement parlant, vous risquez un bannissement du jeu et une suppression de votre personnage. Voilà. C'est concrètement la sanction suprême que vous risquez. C'est pas des choses marrantes. Je ne le prie pour personne que ça arrive. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Que ça soit... dans n'importe quel jeu, hein, mais voilà, concrètement, voilà. Alors, il faut bien comprendre que c'est des règles qui ne sont pas toujours appliquées, donc c'est la sanction que vous risquez. Maintenant, c'est une sanction, comme dit, si vous vous faites attraper. Donc, à partir du moment où vous jouez avec le compte de quelqu'un d'autre, ou vous récupérez le compte de quelqu'un d'autre, ne vous amusez pas à venir sur le Discord officiel en chantant « j'ai récupéré un compte de tel, j'ai récupéré un compte » ou « j'ai acheté un compte ». Et je voudrais l'améliorer, c'est pas une bonne idée. Déjà, vous allez vous attirer des ennuis et ensuite, je vous le recommande pas. Ensuite, évidemment, vous avez compris, mais la vente de compte, la vente, vous vendez du compte, le compte de votre jeu, vous le vendez. Il y en a beaucoup qui tournent, hein. J'ai été voir, vous allez sur eBay, il y a plein de gens qui vendent leur compte. Alors, sachez que c'est illégal. C'est illégal de vendre un compte pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jeu ne vous appartient pas. Vous n'avez donc pas le droit de vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça s'appelle techniquement un vol. Limite une escroquerie. Deuxième chose, quand vous vendez un compte, celui qui achète le compte n'a aucune garantie, l'acheteur n'a aucune garantie que le vendeur va lui laisser un accès plein et ne va pas profiter une fois acheté de modifier les codes et de récupérer le compte pour le revendre à nouveau. Vous voyez, il y a des tentatives d'escroquerie et d'arnaque tout à fait faisables. Alors, les achats de comptes, c'est proscrit, littéralement interdit. Ça, en revanche, c'est non négociable. Si vous êtes surpris à faire une achat ou une annonce de vente, votre idée sera relevée, vous serez banni littéralement du jeu. Je vous le dis clairement et votre compte sera supprimé. Alors là, il y en a qui disent « Oui, mais j'ai dépensé du pognon, tu vois, ça me fait chier de supprimer un compte sur lequel j'ai dépensé du pognon, je voulais le vendre, comme ça, ça me rapporte. » Alors, c'est pareil, même si vous dépensez énormément d'argent, ce qui va se passer, je vous explique, c'est pas compliqué. Mais si vous achetez un compte qui n'est pas le vôtre alors que techniquement c'est interdit, ce qui va se passer, c'est que le jour... où vous allez avoir des soucis avec ce compte-là, que vous allez mettre de l'argent ou quoi que ce soit,
Si vous avez le moindre problème avec le vendeur, c'est-à-dire le vendeur récupère le compte, le support ne vous suivra pas pour la simple et bonne raison que vous avez fait quelque chose d'illégal. D'autant plus que le support non seulement vous suivra pas, mais il y a de fortes chances qu'il bannisse également le compte pour vous sanctionner de la bêtise que vous venez de faire. Donc c'est pareil, l'achat des comptes, je vous le décommande, mais alors très 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 fortement. Après, vous pouvez filer des coups de main, vous pouvez aider. Si vous avez des gens qui savent jouer, n'hésitez pas à leur dire, n'hésitez pas à les inviter à essayer. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais je vous décommande fortement d'échanger un compte, de l'acheter sur les sites de vente que vous pouvez voir. Enfin, tous ces petits trucs-là, moi, je vous le dis, pas bonne idée du tout. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais faire avec vous parce que j'ai eu cette situation. Alors, je vous donnerai ni pseudo, ni serveur, ni quoi que ce soit qui s'est déroulé il y a quelques jours. D'une personne qui avait gentiment passé son compte à un autre. Alors, ça partait pas d'une mauvaise intention, loin de là. Mais ça s'appelle un échange de compte, concrètement. Et c'est, même si ça reste enfantin et que ça part de bonnes intentions, ça reste quand même un échange de compte qui est interdit. Donc, c'est un risque. Alors, certes, il peut être mesuré, mais ça reste un risque. Ensuite, je vais vous montrer un petit truc pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. Alors attendez, parce que du coup, mes textes là, ils s'affichent en gros, c'est n'importe quoi. Alors, vous le savez, le jeu, il y a beaucoup de problèmes avec le jeu, et notamment du harcèlement. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent du harcèlement, que ce soit par les attaques, par les messages, par ci, par ça, et c'est très compliqué. Dans le sens où je vous explique. Par exemple, imaginez, il y a plusieurs comptes d'une alliance haut level, hein, que je veux dire, ils sont tous ardents 1, 2, 3, enfin c'est... Je vous fais pas de dessin. Et vous recevez des messages continuellement de ce genre de machin. Vous pouvez modifier 2-3 choses. Quand vous êtes sur le jeu ici, vous cliquez sur la petite roue ici et regardez ce qui apparaît maintenant. C'est une chose que vous pouvez faire depuis quelques temps. Voilà, alors regardez, niveau de chaudière requis pour les joueurs qui ne sont pas dans votre liste d'amis qui puissent vous envoyer ça. Concrètement parlant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez un gars ardent 1, 2, 3 en liste noire, la première chose qu'il va faire pour essayer de vous reparler à nouveau et vous embêter, c'est recréer un compte ou alors utiliser son compte ferme. Dans 95% des cas, le compte secondaire est plus petit, plus bas. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est mettre par exemple, niveau 25. Et là, niveau de chaudière requis pour que les chefs puissent envoyer des demandes d'amis, niveau 15. Vous voyez? Donc moi, personnellement, je vais l'augmenter, je vais mettre niveau 20. Parce que comme ça, ça limite sévèrement les demandes d'amis. Vous êtes de plus en plus nombreux, je reçois énormément de demandes. Et c'est compliqué. Mais en faisant ce petit filtre, vous limitez considérablement le nombre de personnes qui peuvent vous envoyer des messages dans le jeu. C'est pas que je veux pas parler aux gens, loin de là, ça me dérange pas du tout. Mais je vous garantis que trop de messages commenceraient à un moment donné, j'arriverai plus à suivre. Regardez, déjà que là, vous voyez, j'en reçois quelques-uns. Bon, là, c'est des amis, mais... à un moment donné, faut filtrer, hein, je vous le dis, à un moment donné, faut filtrer. Donc, faites bien attention. Si vous avez des soucis de harcèlement, deux choses que vous devez savoir, c'est prendre un screen des harcèlements que vous recevez, prendre les idées du joueur qui vous harcèle, hein, c'est important. Vous prenez l'idée, vous screenez son profil. Quand vous allez dessus, là, vous prenez ça et vous screenez le profil. Il y a l'idée du joueur, il sera reconnaissable plus facilement. Et vous envoyez tout ça au support, d'accord? Le support, alors, le support, je suis d'accord, ils mettent un temps fou à répondre, mais en général, quand ça tient solide, je vous garantis que la réponse tient, et en général, il y a des sanctions qui tombent. Alors, je suis d'accord aussi sur le fait que les sanctions ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend, mais disons que si ça peut vous aider, faites-le. Donc, quand vous êtes victime de harcèlement, d'insultes ou quoi que ce soit, vous screenez et vous contactez le support directement. Pour contacter le support, c'est pas compliqué. Vous allez sur votre profil, vous faites paramètres, vous faites nous contacter, et vous choisissez nous contacter ici. Il y a une page qui va s'ouvrir concrètement et vous pourrez envoyer un message directement. Et là, vous attendez vous attendez surtout qu'on vous réponde. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'une réponse va être faite, le jeu va vous afficher ici en fait ou quelque part par là, là, comme quoi le support vous a répondu et vous pourrez aller voir la réponse qu'on vous a apportée. Laissez le support le temps de répondre. Il y a un délai au max d'une semaine en général. Donc quand vous envoyez un mot au support, essayez de patienter. Donc quand vous êtes victime de harcèlement, tout ça, pensez bien à faire des screens et prendre les idées des joueurs. C'est super important et ça vous permettra de vous défendre. Voilà, j'espère que ces petits éléments, de règlement et de sécurité vont par la suite aider certains joueurs. Parce que je sais que certains serveurs, c'est un peu la misère et c'est pas facile. Mais soyez prudents, faites très attention à ce que vous faites. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui, vous ne savez pas qui se cache derrière les écrans.
En attendant, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous les commentaires que vous pouvez envoyer dans les vidéos. Ça fait super plaisir. J'essaie en général de répondre à tout le monde. Et quand il y a un commentaire auquel je ne réponds pas, je mets un petit like. Donc si vous voyez un petit like sur le commentaire, bien souvent, c'est moi qui le mets pour vous montrer que je suis passé par là. Mais en général, j'essaie de répondre aux commentaires qui nécessitent une réponse. Et quand c'est bien fait, dans 80% je réponds. Donc merci beaucoup, soyez prudents et à très vite pour une nouvelle vidéo.